passe en entretien. Et non seulement ça, nous devrons dans d'autres domaines, à savoir de go problems education, pour ne citer que cela. Et nous avons choisi, n'est-ce pas, cet endroit qui coïncide heureusement avec la journée nationale de l'art qui est le 1er juin. Et c'est vrai que chaque premier samedi du mois, nous sortons pour mettre salubres les acteurs de la vie de l'homme. Mais ce samedi, de façon exceptionnelle, qui est une préoccupation déjà du chef de l'État. Ça fait un moment que nous avons joint cette politique de salubrité des artères de la ville de Lomé. Nous voudrions que Lomé reprenne, n'est-ce pas, ses allures de l'autre fois. Et cet endroit que vous voyez aujourd'hui, nous avons un défi, n'est-ce pas, de le transformer à un espace vert. Et nous vous invitons dans 3 ou 6 mois plus tard à venir visiter cet endroit, qui sera un endroit gai, qui sera un endroit récréatif pour la population de Lomé. Et c'est ce défi que nous nous sommes lancés. Et que nous avons tenu, n'est-ce pas, à faire de vos propres de ce premier samedi du mois ici. Programme de développement agricole et environnement de l'ONG AIVAF. Donc là, nous sommes aujourd'hui ici en ce 1er juin pour la journée de reboisement. Et là, les activités que nous avons planifiées, il y a d'abord le piquetage que nous faisons actuellement avec l'équipe que nous voyons là. On fait le piquetage. Il y a la compostière aussi qui a été fabriquée pour pouvoir enrichir en bio les plantes qui viendront après. Alors après le piquetage, nous allons commencer exactement les activités de trouaison. La trouaison sur tout le périmètre que nous avons ici. Après la trouaison, nous allons faire la mise en terre des plants. C'est une très belle initiative. Si dans un village, et même à la tête de cette communauté, surtout dans le chef. C'est-à-dire d'abord, je n'arrive même pas à distinguer le chef par rapport maintenant à ceux qui travaillent. C'est après tout que je demande où est le chef. Il me dit, me voici. C'est ça. Donc, il faut donner l'exemple du travail par le travail. Lorsque tu demandes à quelqu'un de travailler, toi-même, tu ne travailles pas, la personne ne sera pas motivée. Il faut toujours motiver, ou bien réclamer le travail par le travail. Quand il y a pas mis au doigt, si la cime, comment est-ce que tu as mis au doigt? Mais de la peu de et après le dernier, il y a un peu de plan là, au bouton. Et le préfet, le petit Mokata, le fia Gokoli, il y a un de Mobé, il y a un peu de il me va valer à Moudjikopa. Quand il y a un peu de Mausubo. Il y a un passo, pas de bêta, le passo Kim, à Méocho, Unji, à Tovanemia, mais d'Akpeno, Subodota. Et il y a un peu de fumé, à signer comme après le dernier. Je suis très reconnaissant d'être ici à Moudjikopa. D'abord, qui est le centre du Togo et la base du développement du Togo. Et d'abord, je remercie l'ONG IOF qui a vraiment changé la mentalité de nous, les Togolais. Et puisque la mentalité que nous les Togolais nous avions auparavant, c'était une mentalité qui est vraiment en retard.